prochainement, c'est quoi qui dit? Une émission en direct. Présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux. Administration. Tutoriel. Logiciel libre. Et astuces. Rendez-vous tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Eh bien salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2018, comme vous le voyez à l'écran, avec ce magnifique pot de trucs que j'aime pas là, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que le sujet pour C'est quoi qui dit émission 10 sera consacré à Lamp sous Debian 9. En effet, j'avais fait une petite vidéo, rien de voilà. Donc ici, quel sujet pour C'est quoi qui dit 10? Bah oui, parce que durant l'émission spéciale Gen 2, j'avais dit, bon, le prochain live, ce sera sans doute Lamp avec Debian. Et puis, on m'a suggéré, on m'a dit, ah ouais, ce serait bien que Arch Linux, tu fasses peut-être une live install de Arch Linux. Bon, alors je vous écoute. Hein. J'ai lancé un petit sondage, voilà, savoir si vous vouliez plutôt Lamp ou Arch Linux. Bon, ici, certains voulaient voir la puissance de la lampe. Là, on m'a dit Arch Linux, même si lampe est sympa. Lampe, pourquoi pas Arch Linux? Faut que j'éclaire sur lampe. Bon, d'accord. Lampe, lampe, Arch Linux, lampe. Regard neuf sur Arch Linux, lampe. Lampe. Bon, ok. Arch Linux, lampe. Lampe, 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 lampe. Hein, lampe, là c'est Papyrus, le thème d'icône, ici lampe, même si il serait pas, voilà, Arch Linux, donc je ferai peut-être une vidéo sur Arch Linux à l'occasion, hein. Mais lampe, 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 Arch, lampe, 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 pour moi, donc lampe serait plus intéressant, d'accord, lampe, très bien, lampe, lampe, lumière, enfin lampe, lampe sans coup férir, lampe, 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 ok, un petit peu d'Arch Linux, lampe, 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 lampe ou Arch Linux. Donc, comme vous avez entendu, eh bien, lampe l'emporte, si je ferme cette blague pourrie. Désolé, j'ai pas la lumière à tous les étages. Ah bah, tiens, en parlant de lampe, ça tombe bien. Non, voilà, donc on va quand même traiter de lampe sur Debian. Donc en fait qu'est-ce qu'on va faire dans ce direct sur lampe? Bon, je vais traiter toutes les lettres, hein. Donc je vais installer probablement Debian. On verra que c'est assez rapide, hein. Je vous montrerai l'installation de Debian en installation minimale, ça ne va pas être trop long. L'installation d'Apache, l'installation de MariaDB, l'installation de PHP, donc on fera ça avec PHP 7. Voilà, il faut que je regarde si c'est possible facilement sous Debian. Et après, une fois qu'on aura donc la pile LAMP, Linux, Apache, MariaDB, PHP, eh bien on vérifiera que PHP fonctionne, on regardera dans MariaDB. Un petit peu, on va explorer la console MariaDB, voir un peu comment on peut créer un utilisateur, comment on peut créer une table, insérer des champs dans la table, supprimer des données, mettre à jour des données, enfin des petites requêtes SQL de base, hein, directement dans la console. Suivant le temps qui restera, je traiterai de PHP MyAdmin ou pas, je verrai si j'ai le temps. Qui est une interface graphique pour manipuler les bases de données, outil que je n'utilise absolument pas, donc j'espère que si jamais j'ai un peu de temps, je pourrai traiter le problème sans encombre. Et puis, on verra la partie aussi PHP, donc c'est-à-dire un petit peu comment on va interagir avec notre base de données SQL, voilà, histoire de pousser un petit peu le sujet, pas non seulement installer, mais voir un peu, voilà, on peut insérer des choses dans la base de données, bah, voir comment on peut le faire avec PHP, et puis un tout petit point sécurité sur comment se prémunir des injections SQL, on en parlera dans le live. Il faut que je fasse encore à peu près mon plan de vidéo pour savoir un petit peu comment je fais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va essayer de ne pas durer plus de 5 minutes dans la vidéo, donc vous aurez compris. Rendez-vous mercredi
7 février 2018 à 20h heure de Paris pour Lampe sur DeviantNet.